Let me oh, oh, just let me oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home. Salut tout le monde, c'est Scara45 pour une nouvelle vidéo commentée. Donc c'est l'épisode 8 de T'as déjà joué avec. Et donc la question que je vous pose aujourd'hui c'est: est-ce que t'as déjà joué avec la MG4? Bah moi oui, et avec mes abonnés en plus. Alors attendez que je retrouve ma liste. Donc oui, cet épisode a été enregistré en domination sur iGrise. C'était en domination guerre terrestre, donc en 9 contre 9. C'était assez le bazar d'ailleurs. Donc j'étais avec Overdark, Asa, Reborn, Zombie MW, X, Sinox, Dreams, K, Lios, et un membre de la team Sinox, je crois. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne. Et puis je vous remercie de m'avoir, enfin d'avoir répondu présent, quoi, suite à ma vidéo. Donc et ben on va passer à la MG4. Donc oui, dans ce gameplay il y a, bah, je sais pas en fait, bon c'était le meilleur de tous hein, et puis les abonnés réclamaient que je mette celui-ci. Il va y avoir plus de 50 frags, même plus de 55 pour être précis, mais il va y avoir quand même beaucoup de morts, donc bon voilà. Je pense que ça vous fait quand même un bel exemple de l'utilisation de la MG4, enfin j'espère en tout cas. C'est une arme quand même plutôt sympa, moi je l'aime bien. Il y a un des abonnés qui me disait que avec une poignée c'était un ACR avec un plus grand chargeur. C'est vrai qu'elle est quand même elle bouge pas trop. Enfin bon, on va y revenir. Hein. Donc ce gameplay est assez long, hein. J'espère que je vais réussir à tenir plus de 10 minutes à commenter, parce que c'est vrai que les vidéos que je fais d'habitude font plutôt entre 3 et 5 minutes, donc voilà. Donc allez, c'est parti, on y va. Alors pour la MG4, je vous conseille en accessoire de mettre le viseur laser. Alors je vous conseille, je suis sûr qu'il va pleurer si je dis pas que c'est Snowmar740 qui m'a conseillé de mettre un viseur laser sur la MG4. Et puis il m'avait dit de le faire aussi sur la M240, mais je l'avais pas écouté. Un petit wallbang au passage, attention. Hein. Donc un viseur laser, c'est vrai que je trouve qu'elle est beaucoup... Enfin, elle est mieux avec un viseur laser. Ne me demandez pas pourquoi. C'est peut-être parce que le viseur de base passe pas. Enfin bon. Donc viseur laser, peut-être poignée. Après les autres atouts. Le silencieux fonctionne pas, je crois. Même avec un silencieux, vous apparaissez sur le radar, je crois. Avec cette arme-là, c'est un bug du jeu. En atout. Alors en atout, je vous conseille, enfin moi ce que j'ai mis en tout cas, c'est passe-passe, pour viser plus vite, parce que comme c'est un gros fusil mitrailleur, on met longtemps avant de viser. Donc passe-passe pro règle ce petit inconvénient. La dernière fois j'avais mis marathon avec le fusil mitrailleur pour les déplacements, mais bon c'est vrai que on se déplace plus lentement, mais il faut juste s'habituer quoi. En deuxième force d'opposition, bon bah logiquement par rapport au mode normal, et puis c'est vrai que je la vois pas vraiment, je vois pas vraiment l'utiliser sans force d'opposition, parce que elle est pas non plus extrêmement puissante, enfin quoique, oh je sais pas, j'aurais dû essayer. Et puis en troisième atout, bah moi j'aime bien mettre visée solide, parce que c'est vrai qu'on peut mitrailler avec beaucoup de précision, comme ça on peut balayer et tout. Encore un wallbang. C'est vrai qu'avec le nombre de munitions qu'on a, on peut les tenter. Hein. et puis voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre au niveau des atouts? Bah, vous pouvez mettre ninja, tout ça, hein, y a pas de souci. De toute façon, il y a une fois sur un des épisodes, on m'avait fait la remarque que tu dis d'utiliser cet atout-là, mais toi, t'as mis autre chose. Oui, mais c'est pas parce que je dis ça qu'il faut le mettre et que c'est le meilleur atout. Hein. C'est juste comme ça, des conseils et puis des choix personnels quoi en fait. Ouais, ça dépend de mes envies et tout, enfin je sais pas trop comment expliquer, mais vous mettez ce que vous voulez après, voilà. Alors donc ce gameplay, vous allez peut-être me dire que je fais du spawn kill, mais en fait vu qu'on était plus de. Donc on était 7 je crois en tout.
7 joueurs quand même d'un niveau correct, ben les ennemis étaient à chaque fois repoussés vers leur spawn, et c'est vrai que pour pouvoir faire des kills, et ben, il fallait s'en approcher. De là à dire que c'est du spawn kill et tout ça, qu'ils ont pas le temps de réapparaître, bon voilà, il y a quand même une petite différence, hein. En sachant que quand même je meurs beaucoup, c'est pas comme si je faisais une série de 15, voilà. Mais franchement, la MG4 m'a laissé une bonne impression comparée à la M240. D'ailleurs, il y avait des personnes qui n'étaient pas vraiment d'accord, qui trouvaient que la M240 était vraiment bien, d'autres qui la trouvaient nulle aussi, enfin bon. Pendant un moment, j'avais l'idée de faire un épisode 7.1 pour me corriger et changer les atouts, accessoires, oui. Mais bon, je me suis dit, hein, tant pis, après tout, c'était mon avis sur le coup, hein. On peut pas tous être d'accord. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, on est à 1950 abonnés. J'ai des choses de prévues, ça c'est sûr. Hein. D'ailleurs, ben, ceux qui m'ont ajouté pour cette vidéo-là, et ben, ne me supprimez pas de votre liste d'amis, puisque pour les 2000 abonnés, j'organise un open lobby. Donc on verra sur quel jeu ça se fera, mais ça se fera, c'est sûr, vu que là déjà, en même pas 2 heures, j'avais réussi à récupérer plus de 8 personnes, quoi. Bon, après, il y en a qui se sont déconnectés et tout ça. Mais je pense que si c'est prévu à l'avance, on pourra facilement être une dizaine, voire plus, hein. Ce qui pourrait être cool. Pour se faire un open lobby, donc je sais pas si on fera un truc au snipe ou quoi, même si c'est pas trop mon truc, le sniper, on verra en fonction de vos envies, hein. Ensuite, j'ai une petite surprise aussi. Ça, je vous dis pas ce que c'est, hein. Même s'il faut pas non plus vous attendre à quelque chose d'extraordinaire. Et puis, dans les prochains jours aussi, j'ai envie de faire une vidéo sur Minecraft parce que j'en ai fait une il y a très longtemps. Et c'est vrai que j'y rejoue un petit peu depuis. Bon, je sais pas trop. Ouais, en fait, je sais pas trop quoi faire dans cette vidéo. Parce que bon, Minecraft, il y a quand même beaucoup de chaînes là-dessus. Hein. Ça fait un peu comme Call of Duty. Il y a plein de chaînes sur Minecraft et plein de chaînes sur Call of Duty. Comme sur le Fantabob Friends. Vous entendez toujours, alors moi machin, je fais une aventure suivie, des tutos et visite de serveur, voilà. Je sais pas vraiment quoi vous présenter d'autre. Hein. On va bien voir. Je pense pas faire de série non plus sur ce jeu-là. Enfin bon, à voir. Je verrai en fonction de ce que vous me dites dans les commentaires et tout ça. Alors là, attendez, on en est à combien? Là, on est à 150. Overdark voulait que je lui fasse une grosse dédicace parce qu'il avait laissé sa place pour qu'un joueur qui n'avait pas pu participer à cette vidéo que je vous montre actuellement soit dans celle au bouclier. Donc normalement, la vidéo bouclier doit être publiée avant celle-ci. Là, je suis déjà en train de l'uploader pendant que je commande celle-là. Donc ça vous fait beaucoup de vidéos ce week-end, hein. J'espère que ça vous avez pas trop vous lasser. En tout cas, moi, dès que j'ai fini de commenter cette vidéo, je vais me regarder le petit zap de spion que je regarde toutes les semaines. À chaque fois, c'est plus marrant. Enfin, voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Donc pour la MG4, sinon, c'est vrai que c'est une arme plutôt stable, hein. Je suis plutôt d'accord avec l'abonné qui m'avait dit qu'elle était assez stable. Ah oui, regardez cette séquence là. Je vais me retrouver piégé dans le spawn ennemi, en fait. Je voulais pas du tout me retrouver là, mais je me suis retrouvé quand même. Voilà, là j'enchaîne 3 ennemis. Normalement, qu'est-ce qui... Ah oui, le meilleur reste à venir. En plus, j'ai plus de balles dans mes chargeurs. Regardez-moi ça. C'est même pas fait exprès, triple élimination avec la MG4. Voilà, je peux faire un montage. En tout cas, cette série m'a permis vraiment de découvrir des armes que j'avais pas vraiment fait attention à ces armes là. Je les avais peut-être essayé une fois vite fait et j'avais pas trop accroché.
Et c'est vrai qu'en forçant à jouer avec pour faire des bons scores, et ben on y prend goût. Voilà, je sens que je vais avoir du rhume pour la semaine prochaine, ça va être bien. Puis voilà, moi en tout cas j'en reviens pas d'être arrivé aussi rapidement aux 2000 abonnés. Là depuis le mois de juillet, ça va à une vitesse. Attendez, je vais regarder sur ma chaîne, parce que pour ceux qui regardent régulièrement sur ma chaîne, je poste à chaque fois à quelle date je suis arrivé à la centaine d'abonnés d'au-dessus. Attendez, voir. Là, oui. Alors, depuis 26 juillet, j'ai gagné 500 abonnés. Ça va vraiment très vite, hein. En même pas 2 mois, quoi. Ce serait vraiment cool d'avoir les 2000 abonnés avant la fin septembre. Avant la fin du mois de septembre. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Moi je vous dis à très bientôt. Donc on se quitte sur un score de 60 à 24. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo commentée. Salut.